Yo mes frérots, c'est JC4, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors, je m'excuse, hein, je suis totalement malade, j'ai la grippe, bref, vidéo sous 40 de fièvre. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Mais voilà, il fallait que je vous fasse une petite vidéo, première vidéo de l'année quand même, hein, c'est pas non plus. Fallait pas la louper. Bien évidemment, je pense qu'on est assez dans le timing pour souhaiter une bonne année et puis une bonne santé à tous et tout patati patata, tu connais frérot. Bref. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo où je testais la Porsche RSR, qui était la voiture la plus cheatée d'avant. Et on a pu remarquer que c'est pas non plus cheaté de ouf à l'heure actuelle. Donc du coup, tout le monde m'a dit, non mais gros, cherche pas à comprendre, la voiture cheatée par excellence, c'est cette merde. Voilà, c'est cette merde. Alors pour ceux qui me découvrent, etc., je déteste cette voiture. La Regera, pour moi, ne devrait pas exister. Toute voiture qui ont une vitesse ne devrait pas exister. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Mais bon, je l'avais testé, bon, on l'a testé sur tous les jeux, bien évidemment. Mais c'est vrai que sur celui-ci, je m'étais presque défendu. Tout simplement de jouer avec. Je vous le cache pas. Je l'avais même dit quand on avait commencé le jeu ensemble en stream. J'ai dit je n'achèterai pas cette voiture-là. Mais bon, force est de constater que si tu veux faire du sale en multijoueur, en bien évidemment S+, parce que cette voiture-là ne peut que être en S+, et ben force est de constater, frérot, c'est que t'as pas le choix. Ben, t'es obligé d'avoir cette Regera. Le moteur, ben, y en a qu'un. Les pièces, il me semble que c'est tout équipé, etc., etc. Alors non, il y a le turbo. Alors attendez, hop, 65, bah let's go, hein. Voilà, turbo route, compresseur route, bon bah ça, on met tout au max, hein. Vous pouvez pas savoir comme ça me trouve le cul de faire une vidéo sur cette caisse, je te le dis, hein. Ça me fait chier, ça me fait chier, je te jure frérot, je te jure. Je te jure que ça me fait chier. Qu'est-ce que je fais? On met suspension route. Voilà, on va mettre route. Comme ça, on est sûr que ça accroche le bitume. Donc, bien évidemment, pour arrêter combien de chevaux? 1565. Il faut des purs freins. Hein, ça, c'est même obligatoire. Pneu route, drift. Route. On va tout mettre en route. Je sais pas pourquoi je me casse la tête là. On va tout mettre en route. Hein. Et je m'étais dit, moi, je voulais pas la tester. Hein. Je voulais pas la tester pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas du tout envie. C'était, pour moi, cette voiture-là, c'est un anti-jeu. Tu vas sur le. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une voiture à entre guillemets à avoir. Mais bien évidemment que oui, c'est une voiture à avoir. Mais c'est une voiture anti-jeu. On va pas se mentir que voilà quoi, c'est l'anti-jeu. Quand tu as ça et on l'a même vu dans mes streams. Quand t'avais Ziac qui avait la Regera et puis moi qui avais ma Bugatti, bon, Regera, voilà, Bugatti, Regera, ça se vaut, tu vois, c'est pas non plus incroyable, mais ça se vaut plus ou moins. Elle la mange, matin, midi et soir au petit déjeuner, c'est sûr. Bon, carrosserie, je suis sûr et certain que bon, bah voilà, hein, c'est pas. C'est de la merde, quoi. De toute façon, les gars, si vous voulez entendre du bien sur la Regera, c'est pas sur cette vidéo-là qu'il faut être. Carrément. Déjà, putain, mais regardez-moi ça comme c'est long. T'as dû couper des tranches de saucisson, là, ou quoi? Putain, laisse tomber. Ouais, peut-être celui-ci, avec l'aileron, machin, etc. Mais si on met l'aileron, est-ce que. Ouais, l'aileron, bah, sort, vas-y. On va tester ça comme ça. On va tester ça comme ça. De toute manière, je crois que tu peux. Ah, mais si, on peut changer. Ok, je crois qu'il y a plus de custom sur Unbound sur la Regera que d'autres NFS. Alors peut-être que je me trompe totalement. Mais si c'est le cas, je m'en excuse. Pare-choc arrière, on peut totalement l'enlever. Non, ça fait pas beau. Sur des voitures, ça va pas non plus à toutes les voitures. Hein. Les pare-chocs arrière. Tac, tac, tac. Pop, pop, pom. Mais ben. Je veux. Ah, ok, l'échappement. L'échappement. Bah, si, modifier l'échappement, bien évidemment. Ça ne sert à rien. Ah, si, ok, d'accord, vous les voyez là? Les petits trucs là? Elles sont fourbes.
Bon, on va mettre un esprit roquette, hein, ma foi, écoute. De toute façon, on peut pas faire beaucoup de choses. Là, hop, rabaisser. Hop, faut que ça tienne quand même la route. Habillage. Non, pas ça. Bibliothèque, non. Communauté. Alors, bah ça me va parfaitement bien, tu vois, c'est noir, c'est soft, c'est parfait. On va pas changer les jantes parce que, alors c'est la seule chose que j'aime bien sur cette voiture-là, c'est ses jantes. Alors il y en a des qui vont me dire, mais Jessica, mais elle est totalement éclatée. Non, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tac, effet de pilotage, ça surtout pas. On va mettre un petit néon vague rouge, comme ça, non. De toute façon, je vois pas le rouge. Je sais pas pourquoi j'essaie de comprendre, de le chercher. On va mettre comme ça. Pour l'avoir un petit peu arrivé. Suspension pneumatique, bien évidemment. Malgré que ça sert à rien. Ouais. Ouais. On va tester ça. Je suis pas pressé de la tester, les gars. Autant que je te le dise, autant je suis pas pressé de la tester. Donc, on va tester ça comme ça. Voilà, car okay, je l'ai plus près. On va permettre de le tester, de la tester. Alors, réglage comportement, coup de frein. Parce que là, donc, ça nous change rien. Appui aéro, on va mettre presque. J'ai envie de voir hein, si ça suffit. Qu'est-ce que je déteste ça? Ou par exemple l'appui. Elle a un appui, c'est incroyable. Je sais pas quelle course ça va être. Mais si c'est une course. Si c'est une course, bien évidemment. Où il y a des pardon, où il y a des virages, toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on ira la tester sur un autobahn. Eh oui, normal. Je pensais que ça se détruisait. Allez, let's go. On va voir ce que ça ressemble. Parce que moi, les gars, je Ouais. Ouh, elle a l'air d'être quand même assez longue. Je dirais pas comme quoi, mais t'as très très bien compris. Bon les gars, je suis désolé, il y a eu un petit problème avec le rec. Donc du coup, je recommence la course. Et vous allez voir les gars que. Ouais, haute poursuite en plus. Ils ont osé appeler la course haute poursuite. Mais avec une Regera. Le problème, c'est que tout est facile. C'est un anti-jeu. C'est du cheaté. Une fois que t'as 1,5 million, t'achètes ça, bim, hop, tu fais chier tout le monde sur le multi. Tu vois? Moi, j'aime pas. Honnêtement, ça arrive à quoi? Ah ouais, tu finis premier. Ah, ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr que tu finis premier. Merde. Ouais, du calme. En même temps, je suis malade, les gars. N'oubliez pas que je suis malade. Ce qui fait que. J'ai une latence qui est assez importante. Voilà. Mais bon, ça va pas excuser mon pilotage de merde à certains moments, ça c'est sûr. Mais regarde-moi ça, mais. Il n'y avait pas besoin de faire d'automane! Par exemple, comment ça se fait qu'aucune voiture peut aller à 400? Expliquez-moi. C'est même pas amusant. En fait, dites-moi les gars ce que vous trouvez d'amusant avec une Regera. Alors bien évidemment, hein, ah, c'était sûr. À chaque fois, toutes les courses, tout en pareil. Il y a quoi d'amusant? Tu prends la Regera, personne ne peut suivre. C'est éclaté. Cheaté, mais éclaté. C'est tout. Vraiment, cheaté, hein, c'est éclaté, éclaté au sol. On va pas se mentir, les gars. Moi, j'aime pas.
Mais de toute façon, les gars, vous savez très très bien que si vous êtes venu sur cette... Putain. Si vous êtes venu sur cette vidéo-là, vous savez très 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 bien que j'allais dégueuler sur la Riviera. Je ne peux pas la voir. À part ses jantes, voilà. C'est la seule chose que j'aime bien sur cette voiture. Hein. Mais bon. Les jantes ne font pas la voiture. Alors là, je prends le truc à 300. Il n'y a pas de problème. Je prends une petite rambarde à 160. Ça me met la crash cam. Incroyable. C'est pas, ouais, je sais pas. L'utilité, alors, elle tient le pavé, tout ce que tu veux. Ça bouge pas. Tu mettais à fixe au niveau du nitro. Bon, t'as du nitro H24. Tu peux avoir du nitro H24. Là, j'ai un peu mis n'importe quoi. Mais voilà quoi. T'as du boost tout le temps et puis. Bon. Moi, j'aimerais qu'ils nous sortent autre chose comme caisse, tu vois. Alors, tu vois, une Bugatti, ok, c'est cool, c'est une vraie voiture. Là, pour moi. Et la Bugatti, elle est contrable, hein, bien évidemment. Hein. Je suis pas un bandeur de Bugatti sur un Benz. Hein. C'est simplement que la Bugatti, elle est contrable. Ça, c'est pas contrable. Tu peux prendre n'importe quelle voiture, ce n'est pas contrable. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce n'est pas contrable. Donc, t'as beau d'aller sur le multi, de vouloir te faire plaisir, le mec qui veut te faire chier avec ça. Avec une Riga, et voilà. On a tous vu, je dédicace à mon frérot Ziyech, hein, qu'en étant multi et tout, la Riga irrattrapable. Irrattrapable. Tu vois? C'est ce que je trouve dommage, tu vois. C'est nous mettre tout simplement des. Tout simplement des voitures comme ça. J'en vois pas l'utilité. Moi, je préfère prendre une BRZ. Un truc, tu vois, un truc qui est pas commun ou un truc qui change, tu vois, qui change du commun. Après, bon, dans un jeu de voiture, le problème, c'est que tu changes du commun, tu perds direct. Donc, après, il y a une méta en plus à respecter, malheureusement. Hein, si tu veux être bon, voilà, achète une Koenigsegg et basta. Mais je trouve ça réellement dommage, sincèrement. C'est. Alors, je pourrais la tester, faire des tests croisés avec des frérots qui viennent avec moi au multijoueur, tac tactique, tu vois, on essaye de tests, etc., sur des autobahns et tout. Mais là, c'est mort. Bref, en tout cas, les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolé, j'ai pas été non plus très très bon dans cette vidéo-là, mais comme je vous dis, je suis bien 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 malade. En plus, il va falloir que je recorde le gameplay, le let's play de demain. Donc bon, voilà, ça va être un peu short, mais vous inquiétez pas, tout sera en temps et en heure. Et puis voilà, en tout cas, les frérots, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas le petit like, c'est la récompense. Et n'oubliez pas également que dans la description, il y a tout pour se faire plaisir. Et bah oui, le lien Instant Gaming pour payer tes jeux moins chers. Et également tous mes réseaux si tu veux me follow. Bref, tu connais les bails, c'était JCK. Peace!